qui profitent le crime. Sinon au télé et au magazine, des petits qui rêvent de faire une carrière à la charcuterie. De quoi faire péter l'audimat, basculer la zone à droite. Avec des schmitteureux qui voient leur pouvoir s'accroître. Ils ont fait de la banlieue un fonds de commerce. Quoi faire flipper le pays comme une atteinte aux mœurs. Si si c'est le son avec des visites guidées, des journalistes qui jubilent. La situation a empiré, trop de jeunes qui vivent des villes. On ne préfère voir braqueur que directeur de bande. Ils veulent te voir au placard, au prisonnier dans un centre. On te montre jamais les gens honnêtes, tous ceux qui tardent. Une pensée pour tous ces parents, pour qui l'espoir se tasse. C'est dans les sup, l'argent facile pour lequel on opte. Trop peu qui font des études sup et des potos qui jamais sortent. Les terroristes, ça leur permet de restreindre la liberté. Encore plus de contrôle jusque dans les halls de cité. Moi je fais une mise en garde à votre système répressif. Faut pas s'étonner après de voir notre extrémisme. C'est le nouveau millénaire, mais y'a pas plus d'efforts. Ils veulent nous mettre des fers et puis surtout empêcher notre essor. Quand on tue un ministre et qu'on maquille sans suicide, y'a trop d'intox qu'on administre. À qui profite le crime? Ils ont colonisé l'Afrique et ils soutiennent les dictatures. L'Algérie et ses tortures. À qui profite le crime? Quand les médias couchent avec le pouvoir, on trouve un port au premier tour. Elf, messie de vieille jambon. À qui profite le crime? Toi, tu comptes pour un seul doux, ça c'est la loi qu'ils appliquent quand ils volent le trésor public. À qui profite le crime? Ouais. On a tort de croire que ce qu'on voit, car certains convoient plus de valeur que les Prings de la délinquance. On nous fait concevoir que le bas de la pyramide, en cachant derrière l'autorité le poids de la tyrannie. Des débats sur fond d'insécurité, mais aucun sur l'impunité. Y'a tout dicté, on a valeur s'actualité. De gauche ou de droite, ouais. On est cerné langue de bois. Et les commissariats remplis de gommes et du bois. Ta peau sculptée, ouais. Les vrais financements sont toujours occultes, bien protégés par le classement qu'ils occupent. Les jeunes ont l'air porteurs au cul, mais dès que le pays tourne mal, les caméras y'en a aucune, même dans le frais journal. Ils disent que le crime ne paie pas, mais c'est avec l'argent sale qu'ils s'enrichissent. Sans pièce à conviction, sans registre, les fonds sont régis. Ils ont des putains rendus publics par la putain de la République et son régime. Quand on tue un ministre et qu'on maquille sans suicide, y'a trop d'intox qu'on administre. À qui profite le crime? Ils ont colonisé l'Afrique et ils soutiennent les dictatures. L'Algérie et ses tortures. À qui profite le crime? Quand les médias couchent avec le pouvoir, on trouve un port au premier tour. Elf, messie de vieille jambon. À qui profite le crime? Toi, tu comptes pour un seul doux, ça c'est la loi qu'ils appliquent quand ils volent le trésor public. À qui profite le crime? La France a un programme, elle t'a choisi un personnage. On prend tous la perpète, ce sera l'usine ou l'esclavage. On entend les sirènes et les alarmes qui sonnent. Ce monde est à nous, mais comme on est trop fond, même entre nous on se colle. C'est rare de voir les minorités assises au gouvernement, entendre la vérité dans la bouche d'un agent sous serment. Le crime ils en profitent, je te dirais ça les arrange. Les solutions existent, mais on nous tient dans un mensonge. Y'a pas de morale quand un président vole. Des millions de fonds secrets, c'est notre fric qui s'envole. C'est les délinquants, costards, cravates qui s'enrichissent. Alors à qui profite le crime? Sinon à ceux. Ouais. Entre corruption ou attentats organisés, ils tiennent les ficelles, commettent des crimes qu'ils ont légalisés. Ils accusent les minorités de propager la violence et la haine, et accumulent chaque jour les clichés à la une, à la chaîne. Les gouvernements sont en tête des trafics d'armes, vendent leur âme pour la drogue ou encore les trafics de femmes. Et là je laisse rame pendant que les vrais bandits règnent. Et c'est toujours les mêmes qu'on voit qui font et enfreignent les règles. Quand on tue un ministre et qu'on maquille sans suicide, y'a trop d'intox qu'on administre. À qui profite le crime? Ils ont colonisé l'Afrique et ils soutiennent les dictatures. L'Algérie et ses tortures. À qui profite le crime? Quand les médias couchent avec le pouvoir, on trouve un port au premier tour. Elf, messie de vieille jambon. À qui profite le crime? Toi, tu comptes pour un seul doux, ça c'est la loi qu'ils appliquent quand ils volent le trésor public. À qui profite le crime? Quand on tue un ministre et qu'on maquille sans suicide, y'a trop d'intox qu'on administre. À qui profite le crime? Ils ont colonisé l'Afrique et ils soutiennent les dictatures. L'Algérie et ses tortures. À qui profite le crime? Quand les médias couchent avec le pouvoir, on trouve un port au premier tour. Elf, messie de vieille jambon. À qui profite le crime? Toi, tu comptes pour un seul doux, ça c'est la loi qu'ils appliquent quand ils volent le trésor public. À qui profite le crime?